Bonjour les amis. Dans la vidéo du jour, on va faire un plat. Les Suédois aiment beaucoup parce qu'il s'agit d'abats. En France, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, pour ceux qui aiment, c'est succulent. On va faire la langue de bœuf sauce piquante. Donc, nous avons besoin, bien évidemment, d'une langue de bœuf. En général, ça pèse entre 1,5 kg et 1,8 kg. Un poireau. Une carotte. Un oignon. Des clous de girofle. 7 échalotes. Une dizaine de gros cornichons. 20 centilitres de vinaigre de vin. 20 centilitres de vinaigre balsamique, du concentré de tomate, de l'eau et du vinaigre blanc. 2 heures avant de commencer votre recette, vous mettez votre langue dans de l'eau et vous recouvrez avec beaucoup de vinaigre blanc. Vous la laissez couverte pendant 2 heures minimum. Le vinaigre blanc va nettoyer toutes les petites impuretés et ça sera bien meilleur débarrassé de ce qui n'est pas bon. On se revoit dans 2 heures pour lancer la cuisson. A tout de suite. Pendant que la langue est en train d'être nettoyée par le vinaigre, on va faire la chose qui fait la recette, à savoir les 7 échalotes ont été hachées. On va mélanger avec les 2 vinaigres. Et c'est ça qui, à la fin de la recette, vous donnera une sauce piquante, très piquante, hyper piquante. Là, j'ai fait 7, 20 et 20. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous coupez les échalotes en deux, vous coupez le vinaigre en deux. Parce que, franchement, avec ça, vous avez une sauce très piquante. Ça, maintenant, vous allez le mettre au frais jusqu'au moment de le mettre dans la sauce, c'est-à-dire dans à peu près 4 heures. A tout à l'heure. Voilà 2 heures que la langue suspendue était dans l'eau vinaigrée. Là, on va la rincer avant de la mettre en cuisson. Dans une casserole assez importante, on a mis le poireau coupé, la carotte coupée en 3 aussi, oignon avec les clous de girofle. On y met la langue entière comme ça. Il faut qu'elle soit entièrement recouverte, ce qui est maintenant le cas. On met du poivre. On peut y aller, hein. Il y a beaucoup d'eau. Et on va y mettre aussi du sel gros. Dès que ça commence à frémir ou à bouillir, c'est 2 heures de cuisson. 2 heures pleines. Pas une de plus, pas une de moins. Je couvre et je vous dis à dans 2 heures. Après 2 heures de cuisson de la langue, je l'ai sorti et je lui ai vite enlevé la peau. Il y a une peau autour de la langue, je l'ai fait parce que c'est assez fastidieux. Pas très spectaculaire, donc je l'ai fait avant de vous voir. Maintenant, ce qui est très important, c'est de couper la langue dans les portions que vous voudrez servir. Ok ? Et de les mettre, ces morceaux, dans le jus recouvert comme ça pour éviter que ça dessèche. Donc je fais ça, j'en ai pour 2 minutes, puis on se revoit tout de suite. Je recouvre donc jusqu'à nappage, ce que je vous ai dit juste il y a 2 minutes. Maintenant que j'ai bien recouvert pour éviter que ça sèche, je vais faire un roux pour lancer la sauce. On a sorti les échalotes au vinaigre qu'on avait fait tout à l'heure. On a pris les cornichons, tac, coupé en petites rondelles. Et on a notre concentré de tomates. Vous voyez, mon petit roux, il est là. On peut, si vous voulez, vous pouvez le faire brun, mais c'est pas nécessaire, la texture va faire que ça sera coloré. Donc, on prend le jus de cuisson de la langue
on mouille. On mouille. On met un coup de feu pour trouver une épaisseur. On fait assaisonnement, sel, poivre. C'est important d'en mettre à ce moment-là. On met notre concentré de tomate. Et oui. Alors normalement, on fouette, mais avec les nouvelles casseroles à induction, vous fouettez deux fois, vous n'avez plus de casserole. Donc, on fait avec la spatule pour ne pas blesser le matériel. Dès que ça commence à prendre un petit peu comme ça, hop, on y met nos cornichons. Et l'échalote avec les vinaigres. Et à partir de maintenant, vous avez dit sauce piquante, c'est sauce piquante. Celui-là, j'ai fait max piquante max. C'est, faut être très solide. Je vais rallonger un petit peu. On va laisser cuire ça une vingtaine de minutes. À tout de suite. J'ai découpé la langue, je l'ai mise dans un plat avec le fond de cuisson pour éviter que ça dessèche. Ça dessèche très vite de la langue. J'ai fait ma sauce. Une fois que ma sauce a été cuite un quart d'heure, j'ai remis les morceaux de langue dans ma sauce. Et là, j'ai laissé à nouveau une dizaine de minutes. Maintenant, je pense que c'est cuit et bien cuit. Et nous allons donc dresser avec des beaux morceaux de langue. Nappé d'un peu de sauce. Comme toujours à la sauce, vous en mettez dans une saucière à côté parce que il y en a qui en prennent plus ou moins. Et puis, comme le disait la baronne, saucer n'est pas trompé. Mettez un ou deux petits morceaux de persil pour donner de la couleur, pour la déco. Persil plat. Et nous voilà donc avec une langue de bœuf sauce piquante. Sauce très piquante parce que cette échalote égale très piquant. Voilà mon Gilbert, on en a fait une belle langue de bœuf. Hein. Cette vidéo, les amis, je peux vous dire un truc, on s'en rappellera parce qu'on a mis du temps à la tourner. Par contre, je me suis permis de goûter en arrière-boutique une tuerie. Une tuerie, tout simplement. Alors, essayez, faites-la. Mettez du riz, mettez à côté une pomme paillasson, mettez à côté ce que vous voulez. Nous, on l'a servi comme ça parce qu'on trouve ça très beau comme ça. Il y a du vert, il y a du rouge. Alors, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?